pour assister à cette conférence qui va être prononcée par Vincent Borelli et qui va être consacrée au mathématicien Mikhaïl Gromov. Avant de laisser la parole à David Harari pour vous présenter un peu plus longuement l'orateur de ce soir, je voulais juste saluer donc les partenaires, nos partenaires de cette manifestation, qui sont donc la région Île-de-France, France Culture, Animat et la revue Tangente. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce cycle de conférences en est à sa 12e édition. Et comme nous sommes au mois de janvier, donc qui est l'époque des vœux, je forme le vœu que ce cycle dure le plus longtemps possible. Et j'en profite aussi, bien sûr, pour vous souhaiter une excellente année et une très bonne conférence ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis David Harari et je représente ici la Société mathématique de France. Alors, je voudrais également, au nom de la SMF, vous présenter les meilleurs vœux pour cette année. Et puis, redire tout le plaisir qu'on a à travailler avec la BNF et à organiser ce cycle de conférences. Je voudrais remercier tout particulièrement les lycées qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui, car toutes les sorties scolaires sont très très perturbées en ce moment par les événements tragiques que vous connaissez. Donc aujourd'hui, il s'agit des lycées Notre-Dame, Berlioz et Sainte-Louise. Quelques mots maintenant sur l'orateur. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Borelli, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon 1, dont les travaux de recherche se situent en géométrie et en topologie. Il a notamment travaillé sur une notion qui est due justement au mathématicien dont il va parler aujourd'hui, Mikhaïl Gromov, le H-principe. Il a en particulier participé à un projet consistant à une étude assisté par ordinateur de ce H-principe. C'est également un spécialiste de diffusion de la culture mathématique, puisqu'il s'est occupé de ça au sein de son laboratoire. Il a également été directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique au sein du laboratoire d'excellence Milion, qui se situe donc dans la région de Lyon. Alors aujourd'hui, il va donc nous parler d'un livre qui, si je comprends bien, l'a particulièrement fasciné, avec toutes sortes de mathématiques, une certaine magie des mathématiques donc, qu'on retrouve dans ce livre, et qui est un ouvrage du mathématicien contemporain Mikhaïl Gromov, qui est encore extrêmement actif puisqu'il travaille à l'Institut des hautes études scientifiques. Et c'est quelqu'un qui influence encore très très fortement les mathématiques aujourd'hui. La machine à démanteler les impossibles de Mikhaïl Gromov, Monsieur Vincent Borelli. Bien, bonsoir. Merci aux organisateurs de ce cycle de conférences, de leur invitation. Merci à vous d'être venus. Merci d'avoir décidé de consacrer une belle soirée aux mathématiques. Il va sans dire que votre présence m'honore, mais elle m'encourage et me dynamise aussi. Ce soir, nous allons découvrir un livre qui fête tout juste son 30e anniversaire, et son auteur, Mikhaïl Gromov. On raconte qu'on a demandé un jour à Einstein ce qu'il faisait lorsqu'il avait une idée. Et il aurait répondu la chose suivante, « Mais des idées, on en a une ou deux dans sa vie. » Évidemment, pour Einstein, il s'agissait de grandes idées, de ces idées qui vous permettent de lever un coin du grand voile. Eh bien, venons-en à notre personnage, à notre héros, Mikhaïl Gromov, qu'on découvre ici un portrait dessiné par Noam Abar, qui est un illustrateur israélien. Et on revient sur l'anecdote d'Einstein. Le mathématicien Marcel Berger reprend cette anecdote lors d'une interview pour le journal Le Monde et il dit la chose suivante. Mikhaïl Gromov, lui, des grandes idées, il en a eu 5 ou 6. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de se lancer dans une comparaison puérile du nombre de grandes idées, mais bien de comprendre
à quelle catégorie d'hommes de science nous avons affaire. On est tout en haut du panier, la crème de la crème, en quelque sorte. Et le monde scientifique, le monde savant, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a attribué à Mikhaïl Gromov un nombre important de récompenses, de médailles, de distinctions, en particulier le fameux prix Abel. Ce prix Abel peut être vu comme une sorte de prix Nobel pour les mathématiques, mais qui récompenserait l'ensemble d'une carrière. Ah, évidemment, cette avalanche de prix va de pair avec une productivité scientifique tout à fait exceptionnelle, tout à fait prodigieuse. Voici ce qu'en dit le mathématicien Jean-Pierre Bourguignon, toujours dans le journal Le Monde. Mikhaïl Gromov est quelqu'un qui, dans un seul article, aligne une centaine de théorèmes que la communauté des mathématiciens mettra 10 ou 15 ans à absorber. C'est exactement ça. Mikhaïl Gromov a inspiré des dizaines, des centaines, des centaines et des centaines de mathématiciens. Alors, quel est son parcours? Eh bien, il est né en 1943 à Bokhsitogorsk. Bokhsitogorsk, c'est une ville qui a entre 15 000 et 20 000 habitants, qui se trouve pas très loin de Saint-Pétersbourg. Il passe son doctorat 30 ans plus tard. Donc on est en 73, et puis dès 74, il devient professeur à l'Université de New York. Et là, vous constatez qu'il se passe quelque chose. Hein. On est en pleine période de guerre froide, et Mikhaïl Gromov réussit à passer le rideau de fer. On le retrouve à l'Université de Paris 6 en 1981, et puis peu de temps après, à l'Institut des hautes études scientifiques, cette institut est consacré à la recherche mathématique et il offre à quelques mathématiciens triés sur le volet des conditions de travail exceptionnelles. On voit ici ces conditions de travail, l'environnement. Et si on se baladait dans les bois, on pouvait, à une certaine époque, y rencontrer Mikhaïl Gromov en fil de feriste. Je vous montre cette photo pour vous empêcher d'imaginer ce mathématicien en homme chétif, malingre, peu à l'aise avec son corps. C'est tout l'inverse. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'histoires qui circulent. Je vous en livre une qui est rapportée par le mathématicien Marcel Berger. Je l'ai vu faire un saut depuis le quai d'une gare pour entrer dans un train directement par la fenêtre. J'admets que je me suis fait un peu plaisir sur l'illustration de ce diaporama. Alors, nous venons de découvrir le mathématicien. Passons au texte. C'est un livre donc qui s'intitule « Relations aux dérivées partielles ». Et qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'il raconte? On va laisser la parole à une femme, à une mathématicienne, qui, la première, a écrit un commentaire, une critique sur cet ouvrage. On est en 88, l'ouvrage est en 186. Ce livre fait une présentation détaillée d'une théorie complètement nouvelle. Il exige néanmoins une bonne dose de ténacité, tant il est facile de se laisser déborder par l'abondance des idées nouvelles. Et c'est Deza Macduff donc, qui écrit ces lignes. Et pour en goûter tout le sel, il faut avoir à l'esprit, la tendance maladive des mathématiciens à la litote. Quand vous lisez une bonne dose de ténacité, vous devez comprendre que seul un acharnement démentiel vous permettra d'atteindre la fin de cet ouvrage. Le point de vue de Deza Macduff est conforté par Jean-Pierre Bourguignon dans l'Express cette fois. Ses travaux sont parfois difficiles à assimiler, même pour les autres chercheurs. Il nous donne du travail supplémentaire. Et effectivement, il faudra attendre de longues années, 10 ans, peut-être 20 ans, selon comment on voit les choses, pour que les idées contenues dans l'ouvrage de Gromov, eh bien, se
se diffuse et soit appropriée par les mathématiciens. Je vous propose de regarder ce qu'il y a dans ce livre. Je l'ai ouvert au hasard, une double page. Qu'est-ce qu'on constate ? Bon, pas trop de figures, pas mal de textes, pas de calculs, des symboles, des formules. J'ai dit que le livre était ouvert à une page au hasard, mais j'ai totalement menti. En fait, j'ai soigneusement choisi ma page, c'est la page 14, vous voyez ? Pourquoi la page 14 ? Ben, elle débute avec un théorème, théorème de Whitney. Et ce théorème va constituer notre porte d'entrée dans l'ouvrage de Mikhail Gromov. Qu'est-ce qu'il raconte, ce théorème ? Eh bien, pour le découvrir, je vous propose un jeu que j'ai intitulé « Le jeu de Whitney ». Comment on joue ? Je vous donne deux courbes. Alors, vous imaginez un lacet de chaussures et vous avez joint les extrémités avec du ruban adhésif, vous plaquez tout ça sur le plan. Donc, les données, c'est deux courbes au hasard. Et puis, je vous demande de jouer au jeu suivant. Vous partez de celle qui est à gauche et vous devez arriver jusqu'à celle qui est à droite en déformant, en restant sur le plan. Et vous devez respecter trois règles. La première règle, c'est que votre courbe doit rester lisse. Pendant la déformation, vous n'avez pas le droit de créer des pointes, de créer des pincements dans votre courbe. Deuxième règle, vous n'avez pas le droit de tricher, en quelque sorte, de sortir la paire de ciseaux, de couper la courbe, parce que alors là, vraiment. Et puis, après deux règles qui sont restrictives, je vous donne une règle qui est plutôt libératrice, en quelque sorte. Les auto-intersections sont permises. Les auto-intersections, ça veut dire que votre courbe peut, vous voyez, avoir des points de croisement comme ceci quand je la vois sur un plan. Bien, bien, bien. Alors, on va jouer. Comment on joue ? Comme ça. Je pars avec cette courbe. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je vois cette boucle-là, on va la grossir un petit peu pour éliminer tout ce qui se passe ici. Je vois aussi cette espèce de grande langue. Je vais essayer de la rétrécir. Voilà, c'est ce que je viens de faire là. Donc, vous voyez, on a rétréci la grande langue, on a agrandi la petite courbe qui était là. On est d'accord ? Bon. Et puis, on va continuer. On va continuer à réduire ceci, on va basculer la boucle vers la gauche. Et on a libéré un certain nombre d'auto-intersections de cette façon-là. Et on va continuer notre petit jeu, tout ça, on va le faire tomber bien à gauche. Ces choses-là, on va les remonter pour éviter les situations trop compliquées. Off, comme ceci. On était là, on a fait ça. Et on continue, ici je vois trois carrefours, je vais le traiter en déplaçant cette portion de courbe. Là j'ai une très grande langue, je vais la réduire un peu. Et puis je continue d'une façon plus ou moins évidente et j'y arrive. D'accord ? Donc on bouge un petit peu à chaque étape notre situation en essayant de la rendre à chaque fois un peu plus simple jusqu'à arriver à un cercle tout bête. Donc on a compris le jeu. Je vous propose de vous entraîner avec cette situation. Cette situation a l'air beaucoup plus simple parce que les courbes qui interviennent sont quand même nettement moins compliquées que les précédentes. Bah, très peu d'auto-intersections. Ici j'ai un 8, ici j'ai une forme de croix. Bon. Seulement, la situation que je vous propose ici est un peu sournoise. C'est-à-dire que je peux vous laisser toute la soirée, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, moi non plus. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement impossible. Il est impossible, en respectant les trois règles du jeu de Whitney, de passer de la courbe de gauche à celle de droite. Comment est-ce que je peux en être certain à ce point ? Eh bien, parce que derrière, j'ai des arguments. Et en particulier, j'ai un argument que je vois, que j'appelle l'argument de la boussole. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginez que vous soyez sur la courbe, disons en vélo, vous parcourez la courbe en vélo, et vous avez une boussole, mais une boussole qui vous indique la direction que vous êtes en train de prendre. Donc ici, je pars du bout de à droite, là, tout à droite, je vais rouler de cette façon-là,
Par conséquent, je commence plein nord et j'ai ma boussole de l'autre côté qui m'indique plein nord. Et puis je vais tourner à gauche, donc je vais voir mon aiguille se déplacer vers l'ouest. Voilà, je suis en train de tourner à gauche et je vois ma direction qui a changé. Je continue de tourner et d'avancer sur cette courbe. Je suis presque plein ouest, mais ici je me rends compte que maintenant je vais virer plutôt à droite et donc je vais reprendre une direction qui est plus vers le nord. Autrement dit, mon aiguille va remonter ici. Alors effectivement, je continue mon chemin, je vois mon aiguille qui remonte jusqu'à cette position. On est presque plein nord. Sauf que je ne vais pas atteindre le plein nord parce que de nouveau, je vais tourner à gauche. Donc je m'attends à voir ma courbe qui va redescendre maintenant. Donc mon aiguille, effectivement, redescend jusqu'à cette situation. Là, je vise l'ouest et je vais continuer à descendre. Ici, je vais presque jusqu'au sud en direction. Et puis, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais tourner à droite, donc ça va remonter. Allez, je remonte. Et puis, je continue ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que je fais mon parcours à vélo, je regarde ma boussole et je vois le trajet de l'aiguille de ma boussole des directions. Attention. On va aller un peu plus vite. Il faut croire les petits dessins que je fais là. Ici, je suis plein sud. Ben oui, je suis arrivé plein sud ici. Cette courbe est très symétrique. Donc, ce qui s'est passé là, on imagine qu'il va se passer la même chose quand je vais parcourir la portion en bas, sauf que ça va aller de l'autre côté de ma boussole des directions. Ici, j'étais plein sud, ici plein est. Voilà, je suis plein est ici. Et puis de plein est, je vais remonter à plein nord. Et ce que je vois apparaître, c'est une courbe du côté de ma boussole des directions qui fait quoi? Qui fait un tour complet de ma boussole. Oh, bien sûr, mon tour, il est agrémenté de deux oreilles, deux grandes oreilles, deux allers-retours inutiles, mais au bilan, en gros, j'ai fait un tour de boussole. Bien. Donc, d'un côté, à gauche, j'ai fait un tour de boussole. Maintenant, je regarde ce qui se passe à droite, pour la courbe verte. Je pars avec mon vélo plein nord. Très bien. Je vais commencer par tourner à gauche. Donc, je vais me retrouver plein ouest. Comme ceci, donc ma boussole des directions va passer du nord à l'ouest. Puis je vais continuer. Ici, je vais me retrouver plein sud, comme ceci. Puis je vais aller jusqu'à l'auto-intersection. Et l'auto-intersection, je vais avoir quoi? Je vais avoir à peu près du sud-est. Je vais être à peu près comme ça. Donc je viens de parcourir ceci. Et dans la boussole des directions, je viens de parcourir tout ceci. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur mon vélo, je constate que je vais tourner à droite. Si je tourne à droite, ça veut dire que ma direction va revenir vers le sud. Donc ici, mon aiguille, elle va redescendre comme ceci. Et c'est ce qui se passe, je redescends vers le sud, mon aiguille redescend. Là, je suis plein sud, et ici, maintenant, plein ouest. Je continue mon trajet, je vais me retrouver plein nord, en faisant cette portion-là, et puis je vais continuer jusqu'à l'auto-intersection, et là, je vais viser plutôt le nord-est. Je vais arriver comme ceci. Et enfin, du nord-est, je vais revenir à ma position plein nord en un mouvement. Cette fois, je regarde le trajet qu'a fait l'aiguille de ma boussole des directions et je constate qu'elle n'a pas fait un tour complet de ma boussole. Elle a fait une seule oreille, un grand croissant en quelque sorte, un aller-retour, mais cet aller-retour ne couvre pas toute la circonférence de ma boussole. Au bilan, je ne fais pas vraiment un tour de boussole. Et quand on ne fait pas vraiment un tour de boussole, ça s'appelle pas faire de tour du tout. Donc d'un côté, pour ma courbe rouge, je fais un tour de boussole. Et de l'autre côté, pour ma courbe verte, je fais zéro tour de boussole. Eh bien, c'est ça qui me dit, qui me certifie que vous n'arriverez pas à passer de la courbe rouge à la courbe verte. Pourquoi? À cause d'une loi, une loi que j'appelle la loi du nombre de tours de boussole,
et qui dit la chose suivante. Votre nombre de tours de boussole ne change pas, il reste invariant lorsque vous déformez la courbe en respectant les trois règles du jeu de Whitney. Donc s'il reste invariant, ben, ça veut dire qu'à chaque instant de la déformation, c'est toujours le même. Donc si je suis parti avec une courbe qui fait un tour de boussole, je la déforme, j'ai toujours une courbe qui fait un tour de boussole, je continue à la déformer, j'ai encore un tour de boussole, etc. Je ne pourrai jamais arriver à une situation où j'ai zéro tour de boussole. Comment est-ce qu'on peut croire que le nombre de tours de boussole reste invariant? On va s'en convaincre. C'est loin d'être une démonstration, on va s'en convaincre, simplement en modifiant un petit peu l'exemple qui nous intéresse, la première courbe, disons, la courbe en forme de croix. Donc, quand je pars avec ma courbe en forme de croix, ben, j'ai un trajet de l'aiguille dans ma boussole des directions qui fait un tour complet avec deux oreilles. Je vais un peu déformer cette courbe, je vais la faire grossir. Il faut imaginer qu'on souffle à l'intérieur, on la fait grossir, comme ceci. Voilà, je l'ai fait grossir. Ouf. Et puis, je vous épargne le travail, mais j'ai refait le trajet de l'aiguille des directions. Et qu'est-ce que je constate? Pardon, je constate que mes grandes oreilles sont un peu plus petites. Donc, ça a transformé un peu mes oreilles, mais je faisais un tour de boussole, je continue de faire un tour de boussole. On pourrait imaginer des déformations un peu plus locales, un peu plus prononcées. Par exemple, une boucle. Ici, je vous crée une boucle. Qu'est-ce qui va se passer pour le trajet de l'aiguille de ma boussole? Eh bien, ça va affecter cette toute petite portion-là, simplement cette petite portion-là qui correspondait à la petite portion de la courbe qu'on a déformée. Et comment ça va l'affecter? Là encore, je vous épargne le travail, je l'ai fait. Ça va l'affecter en introduisant une immense oreille. Ah oui, mais cette immense oreille, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un aller-retour supplémentaire. Ça n'augmente pas mon nombre de tours de boussole. Que je rajoute cette grande oreille ou que je mette une toute petite boucle, c'est pareil. Je fais le même nombre de tours. Bref, ces quelques transparents sont là pour vous convaincre qu'effectivement, quand j'essaye de déformer ma courbe, eh bien, mon nombre de tours de boussole reste le même. Et si mon nombre de tours de boussole reste le même, eh bien, il va être impossible de passer d'une courbe qui a un nombre de tours qui vaut 1, à une courbe qui a un nombre de tours de boussole qui vaut 0. D'accord? On va se rassurer sur le fait qu'on a bien tout compris avec cet exemple. Si je vous donne cette courbe et puis celle-là, est-ce que vous jouez? Alors pour savoir si on joue, on va regarder le nombre de tours. À droite, je sais que le nombre de tours, c'est 0 parce qu'on l'a déjà calculé. Quel est le nombre de tours à gauche? Je vous affirme que le nombre de tours, c'est 2. Donc, il ne faut pas jouer. Pourquoi est-ce que le nombre de tours est 2? On va le faire un peu plus vite que tout à l'heure. Regardez, je considère d'abord cette portion de la courbe. Donc là, je suis parti plein nord. Hop, je passe ici, plein ouest, au sud, à l'est, au nord. Donc, en faisant cette portion-là, je viens de faire un tour de boussole. Et maintenant, je vais faire l'autre portion. L'autre portion, je continue, je suis en nord, je fais encore l'ouest, le sud, l'est, et je reviens au nord. Donc, j'ai bien fait 2 tours de boussole. Puisque j'ai 2 tours d'un côté et 0 tours de l'autre, je ne dois pas jouer. Bien. On constate que c'est assez facile de proposer des situations où c'est même pas la peine de se lancer dans le jeu parce qu'on va perdre. Je vous propose ici un certain nombre de courbes qui ont des nombres de tours différents. Vous voyez, celle-là, on l'a rencontrée, elle fait 0 tours. Celle-là, on l'a rencontrée, elle fait 2 tours. Celle-là, vous imaginez qu'elle fait 1 tour. Hein ? Et puis, celle-ci fait 3 tours. Et on comprend un petit peu la règle. Chaque fois que vous rajoutez une petite boucle intérieure, vous augmentez de 1 le nombre de tours. Donc, je pourrais comme ça construire des courbes avec 27 tours, si j'ai envie. Et bien sûr, si je vous propose de passer de cette courbe à celle-là, vous devez refuser de jouer, parce que vous êtes sûr de perdre. De 3 à 1, vous allez perdre. Je peux même être plus subtil, je peux décider qu'il y a un sens de parcours, et que quand je suis dans ce sens-là, ben c'est un tour, et quand je suis dans le sens inverse, c'est moins un tour. Bon, maintenant qu'on est mieux armé, je vous propose une autre situation.
peut-être un peu plus sournoise. Deux courbes, une toute simple, le nombre de tours c'est 1, et l'autre, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Elle est carrément compliquée. Quel est son nombre de tours? Si j'oublie les petites bouclettes, si je la vois de très très loin, je vois un seul cercle, et je me dis le nombre de tours, c'est 1. Sauf que j'ai des petites boucles. Ah oui, mais les petites boucles, comment elles jouent? J'ai des petites boucles internes, et ça rajoute 1 au nombre de tours. Et il faut me croire que les petites boucles externes enlèvent 1 au nombre de tours. Donc j'ai une alternance de petites courbes internes qui m'ajoutent 1, une alternance, et puis des petites courbes externes qui me retranchent 1. Au bilan, rien ne se passe avec ces petites boucles. À chaque fois que je rajoute 1, j'enlève 1. Bref, si vous faisiez le calcul précisément avec l'aiguille de la boussole, vous constateriez que ici le nombre de tours vaut 1. Donc cette fois, des deux côtés, j'ai un nombre de tours qui est égal. Et pourtant, on n'a pas trop envie de jouer. On n'a pas trop envie de jouer parce qu'on ne voit pas bien comment on pourrait passer de cette situation à celle-là. Alors, est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on ne joue pas? Eh bien, c'est exactement ça, le théorème de Whitney. Le théorème de Whitney va vous dire si oui ou non, vous pouvez jouer. Qu'est-ce qu'il raconte, ce théorème de Whitney? Il dit la chose suivante. On découvre ici Whitney. On peut passer d'une courbe à l'autre si et seulement si elles ont le même nombre de tours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en particulier, dans cette situation-là, vous pouvez jouer. Vous avez le même nombre de tours, donc c'est sûr, vous allez être capable de passer d'une courbe à l'autre. Alors, on veut bien jouer, mais sauf qu'on ne sait pas comment, parce que c'est bien gentil de nous dire qu'on peut passer d'une courbe à l'autre, mais comment on fait? C'est presque un petit peu angoissant. On se dit, mais en fait, je devrais être capable de le faire et j'y arrive pas. On se sent presque coupable. Alors, je vous rassure tout de suite, je vais vous montrer comment on passe d'une situation à l'autre, mais pas immédiatement. Nous verrons ça en fin d'exposé. Entre-temps, je vous propose de découvrir un autre jeu, le jeu de Smell. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, cette fois, on va s'intéresser aux surfaces. Je donne deux surfaces et je veux passer de l'une à l'autre par déformation en respectant trois règles. Les trois règles ressemblent beaucoup à celles du jeu de Whitney. La surface doit rester lisse, vous n'avez pas le droit de la plisser, de créer des arêtes, vous n'avez pas le droit de mettre des pointes. Vous n'avez pas le droit de tricher, la surface ne doit pas être déchirée ou découpée. Et puis, comme toujours, vous avez le droit aux auto-intersections. On voit ici, dans les exemples qui nous sont présentés, une auto-intersection. Les exemples qui nous sont présentés, ils ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu précédemment. C'est les courbes de tout à l'heure, on a juste profité de la dimension verticale pour les transformer en rubans. On a donc des rubans. Et on ne peut pas s'empêcher de les voir autrement que comme des courbes. On a envie de dire, ce ruban, il fait 0 tour. Cette courbe-là, elle fait 2 tours. Ce ruban-là fait 2 tours. Ce ruban fait 1 tour. Celui-ci, 3 tours, etc. Et on se dit que, puisque celui-ci fait 0 tour et celui-ci fait 2 tours, dans cette situation-là, je ne dois pas jouer. Oui, mais tout de même, l'espace vous rajoute une dimension supplémentaire, c'est-à-dire un degré de liberté, on se dit que peut-être on peut profiter de ce degré de liberté. Et la réponse est oui, on peut profiter de ce degré de liberté et on peut effectivement passer de cette situation à celle-là. Attention, on y va. Donc on part avec notre ruban qui fait 2 tours et on va commencer par dénouer l'auto-intersection, donc je la fais disparaître. Et puis cette boucle, cette petite boucle interne, je vais de toute force la basculer à l'extérieur. Et ce faisant, je vais créer une torsion sur tout l'ensemble et je vais répartir équitablement cette torsion sur mon ruban. Et tout naturellement, mon ruban va prendre la forme d'un 8. Et on va arriver, en respectant les règles du jeu de Nash, on va arriver à passer d'un ruban à l'autre. On peut faire l'expérience avec une ceinture. Donc, si vous avez une ceinture, bon, j'en ai une. Donc, un double tour comme ça. Et là,
j'essaye de mettre la boucle à l'extérieur. Et ce faisant, j'obtiens un 8. Voilà, vous pouvez vous entraîner. Mais pas tout de suite, il ne faut pas enlever sa ceinture maintenant. Bien, quelle est la règle? Eh bien, la règle est la suivante. En fait, si je vous donne des rubans comme ceci, ce n'est pas le nombre de tours qui va vous dire si vous pouvez passer d'un ruban à un autre. Pas exactement le nombre de tours, mais précisément la parité de ce nombre de tours. Si les nombres de tours ont la même parité, ici 2 et 0, qui sont tous les deux paires, ben vous allez pouvoir passer de ce ruban à celui-là. En revanche, 1 et 0, ça ne va pas, ils n'ont pas la même parité, donc on ne pourra pas passer de ce ruban à celui-ci. On peut passer d'un ruban à un l'autre, si et seulement si ils ont même parité, et ceci m'encourage à noter non plus les nombres de tours, mais la parité du nombre de tours. Donc je conviens que 0, c'est qu'un nombre, le nombre de tours est pair, et 1, c'est que le nombre de tours est impair. Donc on peut passer de la situation qui est celle en haut à droite à celle en bas à droite, pas de souci, mais pas de en bas à droite à la situation au centre. Bien, 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 on va continuer à jouer, mais cette fois, on va considérer des surfaces un peu plus compliquées. Je vous propose de jouer avec des bouées. Donc à droite, j'ai une bouée classique. Donc une bouée classique, hein, vous avez un cercle et vous le faites tourner autour, disons, d'un axe vertical. Vous obtenez la bouée classique. Et si votre cercle, au lieu de le faire tourner autour d'un axe vertical, vous lui faites faire un 8, vous allez obtenir cette bouée un peu moins classique. Alors le mot bouée, en science, ça se dit tore. Donc ici, on a deux tores. On va jouer avec une petite contrainte supplémentaire. Vous voyez, sur la bouée de gauche, j'ai surligné en jaune une latitude, et puis en marron, une longitude, et pareil de l'autre côté, une longitude en marron et une latitude en jaune. Et ce que je vais vous demander, c'est essayer de déformer cette bouée en celle-ci, de telle façon à ce que la partie jaune aille sur le jaune et puis le marron sur le marron. Est-ce qu'on joue, d'abord? Est-ce que c'est raisonnable de jouer? Eh bien, pour le savoir, on peut déjà s'intéresser simplement aux latitudes et aux longitudes. Finalement, si je considère juste une latitude comme ça, ce que je vois, c'est un ruban tout jaune. Si je considère juste ici ma longitude, je vois un ruban marron. Donc je vais en oublier pratiquement toute la surface de la bouée et je vais m'intéresser simplement aux deux rubans, le ruban jaune et le ruban marron, qui forment une latitude et une longitude. Si j'étais capable de déformer la bouée toute ronde en la bouée en forme de 8, eh bien en particulier, je serais capable de déformer ce ruban en celui-ci. On est tous d'accord. Ah oui, mais le ruban qui est ici, il fait 1 en nombre de tours. Et le ruban qui est ici, il fait 0. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas que je joue. Rien qu'en considérant les rubans, je constate que je ne dois pas jouer. On va s'entraîner sur d'autres situations. Maintenant, je pars toujours de la même bouée, mais à droite, j'ai changé. Cette fois, j'ai pris la courbe en forme de 8 de tout à l'heure et je lui ai fait faire un tour autour d'un axe. Et j'obtiens cet objet, cette bouée toute tordue. Est-ce que je dois jouer? Ben, je vais utiliser le même truc que tout à l'heure. Je vais oublier toute la partie verte et je vais regarder mes rubans. Ben, ici, la situation n'a pas changé, mais là, ben, j'ai un ruban qui fait un tour complet, comme ici. Je n'aurai pas trop de difficulté à mettre le ruban jaune sur le ruban jaune. En revanche, le ruban marron à gauche et le ruban marron à droite n'ont pas le même nombre de tours. Ici, ça fait un 8. Ici, ça fait un cylindre tout bête. Donc ici, j'ai un nombre de tours qui est 1. Ici, un nombre de tours qui est 0. Ça ne peut pas marcher. J'oublie. Un dernier exemple pour la route. Cette fois, la complexité maximum en quelque sorte. Je prends une courbe en forme de 8 et je lui fais faire un trajet en forme de 8. J'obtiens une bouée
bien compliqué. Est-ce que je dois jouer? Ah ben maintenant, on commence à avoir l'habitude. J'oublie toute la partie verte. Je regarde mes rubans. Je vois que d'un côté, j'ai un ruban qui fait un 8, et puis encore un 8. Donc, ces deux-là vont avoir un nombre de tours qui est pair. Ici, j'ai un nombre de tours impair. Ça ne peut pas marcher, en aucune façon. Donc là encore, non. Bien. Allons plus loin. Soyons encore plus sournois. Je vous propose ces deux bouées. À gauche, ma bouée, j'ai peint l'extérieur en vert clair et l'intérieur de la bouée, il faut l'imaginer, peinte en vert foncé. Et à droite, c'est l'inverse. J'ai peint l'extérieur en vert foncé et j'ai peint l'intérieur en vert clair. Et la question, c'est est-ce que je peux passer de l'une à l'autre? En quelque sorte, est-ce que je peux retourner ma bouée? Donc ça, ça paraît complètement dingue. Retourner une bouée, faut quand même pas rêver. Donc on a envie de dire, bien sûr que non. Mais seulement, quand je regarde le nombre de tours de mes rubans, je suis bien embêté parce que mon nombre de tours ici, c'est 1 et 1. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est 1 et 1. Donc mon nombre de tours ne me permet pas de dire que je ne serai pas capable de retourner la bouée. Et pourtant, au fond de moi-même, j'ai bien l'impression qu'il est impossible de retourner cette bouée. Eh bien, on se trompe. On se trompe, et la personne qui nous dit qu'on se trompe, la voici, c'est Hirsch. Donc j'énonce ici un corollaire d'un de ses théorèmes célèbres. On peut passer d'un tore à l'autre, si et seulement si les rubans ont la même parité. En particulier, dans la situation précédente, on avait les rubans qui avaient la même parité, ça veut dire qu'on peut retourner le tore. Ah oui, on peut retourner le tore, mais je veux bien le croire, à la limite, puisque c'est démontré, mais j'aimerais bien le voir. Alors, je vous propose une visualisation. Elle a été réalisée par Arnaud Chérita. Donc, vous avez votre tore. On commence par le rendre très grand. Et puis là, on commence à le déformer. Constatez qu'aucune des règles du jeu de Smale n'est violée. Il n'y a pas de pincement, il n'y a pas d'arête. On ne déchire pas la surface. Ici, l'intérieur est en marron, rouge-marron, et l'extérieur en vert. Spectaculaire, hein ? On va se convaincre, plus avant, en coupant le tore le long d'un plan horizontal et en regardant que la partie, disons, j'ai envie de dire l'hémisphère sud. Donc on coupe pour voir ce qui se passe à l'intérieur, pour bien vérifier qu'on ne triche pas. Nous allons continuer à jouer. On va passer de la bouée à un objet encore plus familier, la sphère. Il faut imaginer, la sphère, c'est vraiment comme un ballon qu'on gonfle. Hein. C'est juste la surface, il n'y a rien à l'intérieur. Ici, j'imagine un ballon qu'on gonfle. Et puis, vous savez, ces ballons de clown qu'on peut déformer. Si je vous demande si on peut passer de cette situation à celle-là, bon, oui, bien sûr. Mais je peux vous proposer des situations plus délicates. Celle-ci, par exemple. D'un côté, j'ai peint ma sphère en vert clair à l'extérieur, vert foncé à l'intérieur, et puis l'inverse de l'autre côté, vert foncé à l'extérieur, vert clair à l'intérieur. Et je me pose toujours la même question. Est-ce que je peux passer de l'une à l'autre? Est-ce que je peux retourner ma sphère en respectant les règles du jeu de Smale? Cette fois, les rubans
ou plutôt je devrais dire encore une fois, les rubans ne vous serviront à rien, ils ne vous seront d'aucune utilité. On a envie de dire que ce n'est pas possible, mais on vient de voir le retournement du tort, donc on commence à être un tout petit peu prudent. On se dit, ok, c'est peut-être pas possible, mais je vais quand même faire un petit essai. Hein, exagéré. Alors allons-y, essayons de retourner la sphère. Je prends ma sphère, donc elle était toute vert clair, là, et j'appuie sur le pôle nord et sur le pôle sud. J'enfonce les deux calottes polaires, comme ça, à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que, bon, voici ma calotte polaire nord. Le dessus est vert clair, le dessous est vert foncé. Si je l'enfonce et je la fais sortir de l'autre côté, je verrai du vert foncé. Donc, pour faire sortir du vert foncé, pour retourner ma sphère, j'enfonce mes deux calottes, je crée des auto-intersections et je les sors de manière opposée. Donc ici, j'ai ce qui était avant la calotte sud qui est devenue, qui est passée au nord, et puis la calotte nord qui est passée au sud. Je vois donc du vert foncé sur la partie la plus proche du centre, et puis sur une bouée équatoriale, je vois du vert clair. Et le truc, c'est que je vais pousser au maximum pour faire diminuer la taille de cette bouée équatoriale, comme ceci. Et puis à un moment, évidemment, j'ai tellement poussé que la bouée équatoriale a disparu. Ah ah, elle a disparu, là, cette fois, j'ai bien une sphère qui est toute verte foncée. Donc là, je l'ai retournée. Ah oui, vous l'avez retournée, mais on vient de tricher. On vient de tricher au dernier mouvement. Au dernier mouvement, vous voyez, au moment où la bouée disparaît, on crée une arête de points singuliers. Si je réalisais la sphère en métal et que je passais ma main rapidement dessus, en passant l'équateur, je me couperais. Donc ici, on a faux. C'est pas bon, ça. Ça, ça retourne pas la sphère. La déformation n'est pas licite, car la surface représentée dans le dernier dessin n'est pas lisse le long de l'arête équatoriale. Bon, là, cette fois, on se dit, OK. OK, c'est peut-être vrai qu'il est impossible de retourner la sphère. Et bien sûr, on se trompe. Et celui qui nous dit qu'on se trompe, eh bien, c'est Smale. Un théorème célèbre de Smale affirme qu'on peut toujours passer d'une sphère à une autre dans le jeu de Smale. Et en particulier, on peut retourner la sphère. Waouh ! Encore une fois, c'est démontré, on y croit, mais on y croirait un peu plus si on le voyait. L'histoire de la visualisation du retournement de la sphère est passionnante, pleine de rebondissements. En particulier, la démonstration de Smale ne vous est pas du tout utile ou très peu utile si vous voulez imaginer le retournement. Donc elle utilise des outils, disons abstraits, dans le sens où ils ne vous aident pas directement à visualiser ce retournement. Et ça a été un défi que de voir ce retournement. Un certain nombre ont été produits depuis 1957, vous pouvez imaginer. Je vous en propose un qui est dû à Thurston. Attention, ça va vite. Ben voilà, on est tous convaincus. On passe à autre chose. Bon, cela, peut-être on la repasse une petite fois, même si jamais vous aviez été un peu inattentif. C'est terrible, hein ? On pourrait le passer 10 fois, on n'y comprendrait pas plus. Je pourrais vous raconter la façon dont le retournement s'effectue ici, mais je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas mon but et je veux gagner un peu de temps. En revanche, si ce retournement vous intéresse, je vous encourage ce soir, très rapidement, au retour de cette conférence, à aller regarder sur Internet, vous tapez « retournement de la sphère », éventuellement « Thurston », vous allez tomber sur des vidéos qui décortiquent ce court film de quelques secondes. Donc vous allez avoir des vidéos de 20 ou 40 minutes qui vont vous dire ben « voilà ce qui se passe étape par étape », et là vous allez être convaincu que oui, on a bien un retournement de la sphère sous nos yeux. Eh bien, un nouveau jeu. Le jeu de Nash, maintenant. Le jeu de Nash, c'est comme le jeu de Smale, sauf qu'on rajoute une règle. Une règle terrible. Elle est écrite en gras ici. Donc, toujours la même chose, on a deux surfaces, on veut passer de l'une à l'autre, mais cette fois, non seulement elle doit rester lisse, non seulement elle ne doit pas être déchirée, les auto-intersections sont permises, mais la règle qu'on rajoute, c'est que chaque fois que je dessine une courbe sur la surface, au cours de la déformation, la longueur de cette courbe ne doit pas changer.
Autrement dit, si vous imaginez les surfaces réalisées matériellement, le matériau, lors de la déformation, ne doit pas être contracté ni étiré. D'accord ? Je vous donne tout de suite un exemple. Vous avez ici ce qu'on appelle l'hélicoïde, là, la caténoïde, ce sont des surfaces qu'on obtient. Vous prenez du liquide vaisselle, hein, de l'eau savonneuse. Vous prenez des tiges de fer. Vous voyez, celle-ci, elle a une forme de tire-bouchon. Ici, vous avez juste deux cercles. Vous plongez dans l'eau savonneuse, vous ressortez. Vous voyez se dessiner ici une hélicoïde et ici une caténoïde. Il se trouve qu'on peut jouer au jeu de Nash avec l'hélicoïde et la caténoïde. On peut passer de l'une à l'autre. Je vous montre comment. Donc ici, vous avez l'hélicoïde. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrabouiller verticalement, comme ceci, pour en faire la caténoïde. Et si je peux passer de la caténoïde à l'hélicoïde. Alors, vous allez me dire, si vous avez bien les quatre règles en tête, vous allez me dire, oh, quand je passe de cette situation à celle-là, j'ai mis un coup de ciseau. On est d'accord ? J'ai mis un coup de ciseau. Alors, cette remarque est pertinente et elle mériterait un long développement, mais encore une fois, je vais faire comme si de rien n'était. Je vais faire comme si de rien n'était parce que ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt les longueurs. Au fait, je vous ai montré la déformation, mais vous n'avez aucune raison d'être convaincu du fait que les longueurs sont préservées. Et la façon de rendre cette préservation palpable, en général, c'est de dessiner des petits carreaux sur la surface et de constater qu'au fur et à mesure de la déformation, vos petits carreaux, ben, il reste bien des petits carreaux. Les côtés gardent leur même longueur et puis font bien un angle de 90 degrés entre eux. Bon, évidemment, il y a la perspective qui vient compliquer tout ce travail. Et vous savez, bien entendu, que si on veut en être absolument certain, il faut faire un calcul mathématique qui va vous l'affirmer. Donc voici la façon de déformer la caténoïde en l'hélicoïde. Si on veut s'entraîner à jouer au jeu de Nash, on peut partir d'une feuille de papier. Pourquoi ? Parce que quand je déforme une feuille de papier, au moins en première approximation, le papier, vous ne pouvez pas le comprimer ou le dilater. Alors par exemple, si je joue au jeu de Nash et qu'on me demande de passer de ce plan à ce cylindre, je sais bien comment je fais avec ma feuille de papier. On fait ça, tout simplement. Sauf qu'une fois que j'arrive là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Donc il faut se rendre compte que, contrairement à ce que peut laisser penser l'exemple de l'hélicoïde et de la caténoïde, en fait, passer d'une surface à une autre sans créer d'arête, de singularité, quelque chose de complètement difficile, parfois impossible. Par exemple, ici, je pars de mon papier en forme de cylindre et je vais essayer de le déformer. Donc, c'est une vidéo qui est due à Camille Schreck et Damien Romer. Et quand je le déforme, bah, je vois apparaître tout de suite des points d'épincement, des points singuliers, des arêtes. Ça, c'est pour mon cylindre. Bah, j'aurais pu partir de mon plan. Pareil, si je déforme mon plan, je vois apparaître très vite des pincements, des pointes, des arêtes. En fait, en général, on perd avec le jeu de Nash. On perd presque tout le temps. Par exemple, si je veux passer du cylindre au tore, eh bien, je n'ai pas 36 solutions, il va falloir que je prenne mon cylindre et que je le déforme. Et en le déformant, on a tous vu que les carreaux ne sont pas restés tous à la même longueur. On a totalement déformé les longueurs sur la surface. Bon, ça, c'est pour les bouées, les tores. On avait rencontré un autre objet, on avait rencontré les sphères. Est-ce que je peux jouer au jeu de Nash avec les sphères ? Alors cette fois, je vous propose de considérer des balles de ping-pong. Là aussi, on peut imaginer que le matériau de la balle de ping-pong, il est, on ne peut pas le contracter ni le dilater en première approximation. Et vous savez tous que quand on a une balle de ping-pong, en fait, on n'arrive même pas à la déformer.
Vous avez une balle de ping-pong, vous ne faites rien avec, vous avez beau appuyer dessus. Enfin, si vous appuyez comme une brute, vraiment, ce que vous arrivez à faire, c'est ça. Vous arrivez à la poquer. On poque une balle de ping-pong, on crée des pointes, on crée des arêtes de points singuliers. On est complètement sorti des règles du jeu de Nash. Dans ces conditions, on peut se dire que le jeu de Nash est tellement difficile qu'il en devient vain, stérile. On va pas s'amuser avec ce jeu. Chaque fois qu'on me présente des surfaces, je peux rien faire tout de suite, je crée des points singuliers. Eh bien, devinez quoi ? Encore une fois, on se trompe. On se trompe, et celui qui nous dit qu'on se trompe, ben, c'est Nash lui-même. Je vais vous énoncer un corollaire d'un théorème de Nash, en fait, très précisément, un théorème de Nash complété par Kuiper. Et voilà ce que dit ce corollaire. Vous avez ici Nash, ici Kuiper. On peut placer une balle de ping-pong dans un dé à coudre en respectant les quatre règles du jeu de Nash. Donc, en particulier, sans la poker. Bon, là, je crois que c'est le moment de prendre une petite pause. Si je parlais familièrement, je dirais ça commence à bien faire. Hein ? Après le retournement du tore, après le retournement de la sphère, on est de nouveau face à un résultat qui vient violemment heurter notre intuition. En y mettant toute notre force, on arrive à peine à poquer une sphère. Alors par quelle magie est-ce que je pourrais la placer dans un dé à coudre tout en respectant les quatre règles du jeu de Nash, en particulier sans la poquer ? Eh bien, je crois qu'il est temps de faire appel à un magicien des mathématiques. Un magicien qui nous livre ses trucs. Un magicien qui nous dise pourquoi notre intuition est systématiquement prise en défaut et nous empêche de voir que nos impossibles sont imaginaires. Il est temps de faire appel à Mikhaïl Gromov. Et précisément, dans son livre, Mikhaïl Gromov construit une machine à démanteler les impossibles imaginaires. Quel est le mécanisme principal de cette machine ? Eh bien, pour le comprendre, on va considérer ensemble un impossible de pacotille, un impossible artificiel. Le voici. Je prends un segment et je suis en bas du segment. Et mon boulot, c'est d'arriver en haut. Je cherche un trajet pour aller du bas du segment, du point le plus bas au point le plus haut. Ben évidemment, j'ai envie de prendre la verticale. Sauf que je vais vous imposer deux contraintes. La première contrainte, c'est que vous imaginez que vous êtes en vélo et donc vous ne pouvez pas monter verticalement. Il va vous falloir trouver un trajet, dessiner un trajet dans votre tête qui ne soit pas trop pentu, donc une pente pas trop élevée pour qu'on puisse la prendre en vélo. Et puis je rajoute une autre contrainte. Je veux que votre trajet soit aussi proche que moi je le désire du segment vertical. Alors là, ça commence à faire un peu trop. Parce que on se dit, ok, si j'ai une pente qui est relativement faible pour que je puisse aller faire du vélo dessus, bah nécessairement je vais m'écarter de mon segment. Je ne vais pas pouvoir rester aussi proche que je veux de mon segment, ce n'est pas possible ça. Puis on réfléchit un tout petit peu plus et on se dit, ah mais non, en fait c'est possible. Il suffit d'imaginer un trajet en forme de tire-bouchon. J'ai une pente qui n'est pas trop élevée. Et comme je fais des petites boucles autour de mon segment, je ne m'éloigne pas trop. Et si je viens vous dire, ah non, mais là, vous êtes encore trop loin. Oh, ben pas de problème, monsieur. Je vous mets plus de boucles et je me rapproche aussi près que je veux de mon segment. Au bilan, on avait un impossible imaginaire dans notre tête. Hein. On avait ces contraintes, on se disait, c'est pas possible d'y arriver. Et comment est-ce qu'on a contourné cet impossible imaginaire en rajoutant des petites boucles ? Et c'est là le principe. C'est là le principe de la machine à Gromov. Si le chemin direct est impraticable, ici le chemin direct, c'était de passer verticalement, on invente une nouvelle voie
en introduisant d'innombrables petits contournements. En général, ces contournements sont difficiles à imaginer. Bon, là, on les a imaginés en 10 secondes, mais en général, non, vraiment pas. Et c'est parce qu'on est incapable de les imaginer qu'on croit que c'est impossible. C'est la raison pour laquelle notre intuition nous fait croire à un impossible. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, la machine de Gromov ? Ben, c'est un outil théorique qui, un, vous aide à détecter les impossibles imaginaires. Donc, elle vous les détecte. Et une fois qu'elle vous les a détectés, elle vous dit quel type de contournement vous devez choisir et appliquer. Parce que les contournements aussi ne sont pas faciles à trouver. Donc, ce n'est pas le tout de me dire que c'était un impossible imaginaire, il faut encore me dire comment est-ce que je le contourne. Donc, elle fait ces deux choses, cette machine. Des types de contournements, il y en a tout un paquet, je vais vous en présenter trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle le contournement en rampe d'accès à un garage. C'est celui qu'on vient d'utiliser pour le segment. Donc vous faites comme ça un trajet en tire-bouchon. Ça, c'est un type de contournement possible. Autre type de contournement, c'est ce qu'on appelle les corrugations. Donc les corrugations, ce sont des oscillations que vous imposez à votre surface. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le retournement. Bon, c'était une expérience très rapide, mais on a vu le retournement de la sphère. Et la toute première étape de ce retournement de la sphère, vous le voyez, c'était de faire apparaître des oscillations sur la bande, une grande bande équatoriale de la sphère. Donc ces fameuses corrugations. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une corrugation. Et de fait, c'était aussi ce qui se passait dans l'étape clé du retournement du tore. Vous avez ici une corrugation externe et puis une interne qui apparaissent. Donc ces contournements, on les a déjà vus à l'œuvre dans les deux retournements précédents. Et puis vous avez un troisième type de retournement que je veux introduire et qu'on n'a pas encore utilisé, qui est le contournement en chemin de montagne. Donc vous avez ici un chemin de montagne en lacet. Donc au lieu d'aller tout droit, ben vous faites des lacets. Bien. Je vous propose maintenant de voir la machinerie de Gromov en action. Je ne peux pas tellement aller plus loin dans la description interne de la machine parce que c'est d'une technicité hallucinante. Mais on peut la voir en fonctionnement. Et devinez sur quoi on va la faire fonctionner. Ah, je vous avais promis qu'on verrait comment est-ce qu'on passerait de cette situation à celle-là. Alors, je vais évidemment introduire des contournements. Quel type de contournement ? Ici, ce sera des contournements de type chemin de montagne. Sauf que les chemins de montagne, on a vu qu'ils faisaient des virages en épingle à cheveux, et l'épingle à cheveux, c'est interdit par la règle de Whitney. Tout doit être lisse. Donc mes épingles à cheveux, vous voyez, je les ai lissées en quelque sorte. J'ai fait des virages qui sont beaucoup plus raisonnables. Mais c'est bien, bel et bien un contournement en chemin de montagne que je viens de faire. On est bien d'accord ? Une fois qu'on a ce contournement en chemin de montagne, on est loin du but. Parce que ce qu'il nous faut, c'est arriver à cette courbe qui alterne les boucles internes et externes. Il faut donc qu'on nous dise comment est-ce que ces chemins de montagne doivent être déformés. Et ça, la machinerie, elle vous le dit. Alors comment est-ce qu'on va faire ici ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la machinerie de Gromov, qui est une machinerie abstraite, on l'a transformée en un algorithme, une série d'opérations mécaniques en quelque sorte. Cet algorithme, on l'a implémenté, on l'a programmé sur une machine, un ordinateur, et puis cet ordinateur, on l'a fait fonctionner. Et de cette façon-là, on voit la machinerie théorique de Gromov, on la voit à l'œuvre sous nos yeux. Et nous allons constater comment cette machinerie fonctionne sur cet exemple. Alors, vous allez voir un petit film, vous ne faites pas trop attention, il y a un certain nombre de chiffres qui apparaissent, ce sont des repères techniques pour nous, mais ils sont totalement inutiles pour voir le mouvement. Donc ce film est dû à Roland Denis du projet EVA, et on voit comment sont poussés les contournements.
Voilà, ça ne s'invente pas tout seul. Hein. C'est... Je vais le repasser et vous faire pointer plusieurs choses. La façon dont est poussée la courbe est pas symétrique dans le plan. Vous voyez, ici, c'est poussé beaucoup plus que là, où ça bouge presque pas. Mais le résultat, lui, est parfaitement symétrique. Vous constatez aussi qu'on aurait bien du mal à inventer ça tout seul. C'est vraiment un outil théorique qui se déroule sous nos yeux et qui nous montre quelque chose d'absolument symétrique, d'absolument convaincant. Alors, vous imaginez bien qu'une fois la machine construite, Gromov l'a utilisée pour démonter des dizaines et des dizaines d'impossibles imaginaires. En particulier, il a redémonté nos impossibles imaginaires que nous venons de rencontrer, le retournement du tore, le retournement de la sphère, le dé à coudre de Nash. Alors, vous me direz que c'était des impossibles qui avaient déjà été démontés par d'autres mathématiciens. Certes, mais la machine de Gromov est un outil universel. Donc, il s'applique aussi bien pour Smale, pour Whitney, pour Nash et pour d'autres impossibles qui n'avaient pas été démontés avant. Pour vous convaincre de la puissance de la machine de Gromov, je vais vous énoncer un impossible nouveau qu'elle a permis de démolir. Un impossible démantelé par la machine de Gromov. Donc en particulier un théorème de Gromov, 1986, c'est un théorème qui est tiré du livre. On peut déformer une sphère en respectant les quatre règles du jeu de Nash jusqu'à la retourner complètement. Donc vous imaginez, vous prenez votre balle de ping-pong, vous pouvez la retourner. Enfin, il faut imaginer que le matériau s'auto-traverse, etc. Donc c'est un résultat complètement contre-intuitif. Ce que vous avez en illustration ici, ce sont les principales étapes du retournement de la sphère dû à Surstone. Mais attention, le retournement de la sphère dû à Surstone, il répondait au jeu de Smale. On ne s'inquiétait pas de la préservation des longueurs. On se fichait totalement de la préservation des longueurs. Donc on avait une grande liberté. En particulier, vous voyez bien que les longueurs ne sont pas préservées ici. Elles sont atrocement torturées. De là à là, tout a été déformé. De ici à là, vous imaginez. Enfin bref, rien n'a été respecté. Ce qui rend le théorème de Gromov encore plus incroyable, c'est que vous pouvez faire ce retournement. Il y a une façon de le faire qui respecte toutes les longueurs. C'est juste inimaginable. Et comme d'habitude, on veut bien croire un théorème, on se dit, mais ça serait bien si on avait des images, si on avait une visualisation. Eh bien non. Je ne peux pas vous présenter d'images, je ne peux pas vous présenter de visualisation, parce que jusqu'à présent, personne ne s'est lancé dans le défi de la visualisation de ce théorème de Gromov, peut-être à cause de la difficulté de l'entreprise. Où en sommes-nous ? Nous en sommes page 16, aux deux tiers de la page 16. Regardez ce qui a marqué tout en bas. Par exemple, la sphère peut être retournée par une déformation, alors isométrique, isométrique mesure, donc qui préserve la longueur des courbes. Donc ce qui est écrit ici, c'est exactement le théorème qui est écrit là. Eh bien, je crois que deux pages du livre de Gromov en une soirée, on peut être fier. Sérieusement, je suis très sérieux, on peut être fier de nous. On peut bomber le torse, mais il faut garder à l'esprit qu'avec cet ouvrage, nous n'avons vu qu'une partie de l'œuvre immense de Gromov. Que ce mathématicien a obtenu des résultats tout aussi spectaculaires que ceux que l'on vient de voir dans d'innombrables autres domaines des mathématiques. Je crois que très rares
sont les mathématiciens qui, au cours de leur carrière, n'ont pas rencontré un théorème de Gromov. Je vais laisser le mot de la fin à Gromov. Vous vous souvenez de la modestie d'Albert Einstein ? Oh, des idées, j'en ai une ou deux dans ma vie. Nous allons découvrir la version Gromov de cette posture. Donc, il s'agit d'une réponse à une interview à l'occasion de la remise du prix Abel en 2009. La réponse de Gromov est en anglais, mais je crois qu'elle se passe de traduction. Je vous remercie de votre attention. Pose la première question. Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y a eu des applications physiques de ces recherches mathématiques, en particulier parce que j'ai un problème pour arriver à comprendre sur les matières de tous les jours, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas interpénétrables, comment donc on peut utiliser ces recherches-là pour modifier des formes. Est-ce que c'est juste des recherches qui s'appliquent au cosmos ou autre matière très avec peu de tension, ou est-ce qu'on peut l'appliquer à la balle de ping-pong? Bon, comme Martin Andler vient de le souligner, la première question, c'est toujours la plus difficile. Je confirme. Cette question est terrible. C'est la question des applications de ce qu'on vient de raconter. On s'y prépare toujours un peu. Elle arrive toujours et on est toujours désarçonné, quoi qu'on ait pensé dans sa tête avant. C'est totalement incroyable, mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on peut l'imaginer comme un jeu abstrait. On a joué avec des matières qui s'interpénètrent. On se rend bien compte qu'on est très loin du monde réel. Sauf ignorance de ma part, je ne crois pas que ça existe, des matières qui s'interpénètrent comme ça, qu'on peut déformer. Si on avait, je sauterais dessus pour m'amuser, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a des problèmes dits différentiels. C'est-à-dire qu'il faut intervenir des équations aux dérivées partielles. Or, ces équations aux dérivées partielles, elles nous permettent de décrire le monde qui nous entoure. Que ça soit en physique, en économie, très souvent, quand on modélise quelque chose, on se retrouve avec sur les bras des équations aux dérivées partielles. Et ce que nous raconte toute cette histoire, mais qu'on ne voit pas parce que je vous l'ai présenté sous forme de jeu et pas sous forme d'équation, eh bien, c'est que c'est un outil pour résoudre des équations aux dérivées partielles. Et en ce sens, je ne dirais pas qu'elles sont directement applicables, mais elles donnent un outil supplémentaire pour comprendre ces équations qui décrivent telle ou telle réalité du monde qui nous entoure.
Donc, en ce sens-là, oui, elles sont très utiles et elles ouvrent des horizons, des perspectives incroyables. J'ai modérément convaincu. Bon. Bonjour. Juste suivre votre réponse. Bonjour. C'est ici. Oui. Tout à l'heure, vous dites qu'on peut utiliser ces théories pour résoudre des équations différentielles. C'est des résolutions précises ou des approximations avec son principe de contournement? Alors, je dirais que, sauf cas rarissime, les équations aux dérivées partielles, on les résout toujours par approximation. Déjà, première étape, on ne sait pas résoudre de manière exacte une équation dérivée partielle, sauf chance inouïe. Donc la question dans l'approximation, elle est partout. Mais ici, elle prend un tour tout à fait particulier, puisque avec ces petits contournements, comme vous êtes en train de le sentir, on a nettement l'impression qu'on est capable de construire beaucoup de solutions à une équation donnée. Parce que la façon dont je, par exemple, imaginons que je veux faire le retournement de ma sphère, la façon dont je veux faire le retournement de ma sphère, que je puisse le faire, on imagine que si on déforme un peu plus d'un côté, un peu moins de l'autre, ça ne va pas changer grand-chose. Autrement dit, on se dit, ben, j'ai beaucoup de latitude, ces petits contournements, j'ai beaucoup de façons de les appliquer. Et oui, ça, c'est une des découvertes majeures de Gromov, c'est de se rendre compte qu'un certain nombre d'équations aux dérivées partielles eh bien, n'admettent pas une seule solution bien calculée de façon exacte, mais une multitude de solutions. Et ça, c'est extrêmement troublant. En particulier, une idée que je n'ai pas mis en exergue dans cette conférence est la suivante, c'est que les impossibles, nos impossibles imaginaires, quand on pense que c'est complètement impossible, ce que comprend Gromov, c'est que non seulement c'est possible, mais en fait, c'est possible partout. C'est-à-dire que dès que vous imaginez une solution qui ne va pas marcher, tout à l'heure, on a fait un retournement de la sphère qui ne marchait pas, avec une petite arête équatoriale de points singuliers. Eh bien, Gromov vous dit, juste à côté, vous avez une déformation qui, elle, va fonctionner. En quelque sorte, on est doublement aveugle. À un premier étage, on est aveugle parce qu'on ne voit pas que les impossibles qu'on a dans notre tête sont imaginaires, mais ils sont d'autant plus imaginaires qu'il n'y a pas une seule façon de les contourner, il y en a une infinité. C'est complètement désarçonnant. Là encore, je ne sais pas si j'ai été bien clair dans ma réponse. On dit que Nash, que Gromov, ici non, à droite là, pardon, Gromov, disait qu'il avait lu l'article de Nash sur les plongements isométriques et pendant longtemps il a pensé que c'était faux et qu'ensuite il dit après ça a changé ma vision de la géométrie. Est-ce que tu pourrais un peu... Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça et est-ce que tu pourrais commenter un peu? Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Mais ça, je sais que Mikhail Gromov a été profondément influencé en effet par les travaux de Nash, que ses travaux ont été, de ce que j'en sais, une source d'inspiration très importante, en particulier pour les idées qui sont contenues dans ce livre. Et c'est vrai que ce théorème de Nash est totalement incompréhensible, totalement improbable. Quand on vous dit, hein, vous prenez votre balle de ping-pong, il faut l'imaginer abstraitement, prenez une sphère abstraite et vous essayez de la déformer en respectant les longueurs, ça paraît juste absolument impossible. Tout le monde pensait que c'était impossible. Et non seulement tout le monde pensait que c'était impossible avant Nash, mais il y avait même des démonstrations de ce fait. On peut démontrer que c'est impossible en effet. Sauf que la démonstration vous dit c'est impossible si vous respectez une certaine régularité de la surface. Il y a plusieurs façons pour une surface d'être lisse. Elle peut être très 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 lisse ou juste un peu lisse. Et ce que Nash a vu, c'est qu'il y avait une brèche entre le très très lisse, le pas lisse du tout, il y a du un peu lisse. La démonstration qui disait que c'était impossible, il fallait que ça soit très, très lisse.
Et ce que dit Nash, c'est que si on vise dans le pas très lisse, enfin, pas trop lisse exactement, on va être capable de faire, de déformer la sphère et donc d'aller contre ce que l'intuition nous suggère. Et ce pas très lisse, comment est-ce qu'il se construit ? Eh bien, l'idée, c'est de rajouter des contournements. Vous vous souvenez, on veut contourner un impossible, il faut mettre des contournements. Eh bien, l'idée c'est la suivante. Vous avez un premier contournement qui va être une corrugation. Sur cette corrugation, vous mettez d'autres corrugations, et ainsi de suite. Vous empilez les corrugations. Je peux vous montrer ça sur le fond d'écran de mon ordinateur. Vous voyez ce fond d'écran ? C'est un peu à ça que ça ressemblerait si on devait déformer une sphère pour la rendre plus petite et qu'on regarderait à la loupe à quoi ressemblerait la surface de cette sphère. Elle ressemblerait à ça. Des oscillations, et sur ces oscillations, de nouvelles oscillations. Donc peut-être je les pointe, donc des oscillations comme ceci. Sur ces oscillations, donc ces premiers contournements, vous en mettez un deuxième, et puis un troisième, et puis etc. jusqu'à l'infini. Moyennant cette accumulation incroyable d'oscillations, alors on est capable de déformer la sphère, de la contracter et de la mettre dans un dé à coudre. Martin, j'ai l'impression que, quelles que soient mes réponses, je plonge mon auditoire dans une perplexité croissante. Oui, bonjour. J'avais une double question. J'arrive jamais à savoir d'où ça vient. Ah oui. Première question, vous n'avez pas dit ce que c'était, semble-t-il, le H-principe. Et deuxième question, par quel contournement étrange vous êtes passé de l'école centrale Dion à des choses aussi théoriques ? Je n'ai pas dit ce qu'était le H-principe parce que il me semblait que c'était faire un peu trop de mathématiques pour un mercredi soir. Le H-principe, pour que je puisse l'énoncer, que je puisse même vous faire sentir ce que c'est, il me faudrait un peu plus de mathématiques que ce que je viens de faire. Donc vraiment, désolé, je ne peux pas expliquer le H-principe comme ceci. En revanche, vous pouvez aller farfouiller dans ma page web et vous allez tomber sur des textes qui vont vous raconter le H-principe. Ensuite, par quel contournement bizarre je suis passé d'une école d'ingénieur à ces choses soi-disant abstraites ? En fait, je n'ai rien contourné du tout. Les surfaces, ça m'a toujours plu. Je ne sais pas pourquoi, depuis mon plus jeune âge, je vois les choses d'une manière géométrique et avec des surfaces. J'ai commencé effectivement mon parcours dans une école d'ingénieur. Et puis, je me suis rendu compte que l'engagement intellectuel que j'avais ne me suffisait pas. Et j'ai décidé, après mon école d'ingénieur, de faire une thèse en mathématiques. Et là, j'étais plus dans mon élément. Après cette thèse, très peu de temps après, j'ai rencontré un mathématicien, Leonid Polterovitch, qui est venu avec cet ouvrage. Vous le reconnaissez peut-être. Et il m'a dit la chose suivante, il m'a dit « Écoute, il y a dedans des choses vraiment importantes, tu devrais les lire, tu es capable de les lire. » Alors, ne vous laissez jamais attraper quand quelqu'un comme ça vous passe de la pommade. Alors, j'ai pris le bouquin, il m'avait pointé des pages. Vraiment, il m'a dit « Tu regardes cette page, tu regardes ce théorème, tu fais ça. » Et puis, il est reparti, il était en visite à Lyon pour une quinzaine de jours. Et moi, je me suis retrouvé avec ce livre qui est quand même rude à lire quand on entre en mathématiques. Je peux vous dire qu'il est austère. Et je ne comprenais rien. Mais vous savez, rien du tout. Je ne comprenais rien à ce qu'il y avait écrit dans ce livre. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. C'était un livre qui me résistait. Et j'ai commencé à m'engager dans sa lecture, une lecture patiente
et très lente. Ça m'a pris des années. Je vous ai dit tout à l'heure que 2 pages en une soirée, mais en fait, ça ne m'est jamais arrivé, 2 pages du livre de Gromov en une soirée. Jamais, jamais, jamais. J'ai passé un temps considérable à lire de simples phrases. Le paroxysme a été atteint page 66, je m'en souviens. Il y a quelque chose sur les variétés Stein, et je ne connaissais pas ce genre d'objet mathématique, et je ne comprenais pas ce qu'il avait écrit, c'était quelques lignes. Je me dis, ce n'est pas très grave, je ne connais pas ces variétés, je me renseigne, je travaille, j'y passe 15 jours, mais 15 jours de mathématiques, quand on est jeune dans le métier, ça veut dire sans administration, enfin sans rien, donc c'est vraiment 15 jours où vous ne faites que des maths. Et en 15 jours, je n'arrivais pas à comprendre ce que disaient ces 3 phrases. Le bouquin a un petit peu souffert à ce moment-là. Parfois, j'ai des accès, comment dire, je peux être un peu sanguin. Et je me suis dit, mais quand je vais trouver ce que ça veut dire, donc bien sûr, j'avais écrit des dizaines de pages à côté pour essayer de comprendre. Quand je vais comprendre ces 3 phrases, je vais mettre des annotations sur le côté du bouquin pour ne pas me faire avoir la prochaine fois. Et puis, à un moment, brutalement, j'ai compris ces 2 phrases, enfin 2-3 phrases que je ne comprenais pas. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait avant, les 15 jours de travail, ne servait à rien. La phrase disait exactement ce qu'il fallait que je comprenne, je n'avais rien besoin de savoir de plus. C'est simplement que j'étais ancré dans ma perspective et qu'il fallait que je change de perspective pour comprendre la phrase de Gromov. Et c'est un peu ça, la philosophie de ce livre, c'est qu'il est... C'est vrai, il est difficile à lire, enfin je l'ai trouvé difficile à lire, mais parce que systématiquement, j'adopte une posture qui n'a pas la bonne perspective. Et Gromov me fait changer de perspective. Et en cela, c'est un livre absolument exaltant. Parce que quand on a changé de perspective, on a une joie incroyable, on se dit mais oui, c'est tout simple. Voilà, et de fil en aiguille, ce livre a mûri en moi et m'a conduit finalement plus tard à travailler sur le théorème de Nash. Voilà. Quand vous parlez des surfaces pas très lisses, en fait, sur chaque, par exemple sur cette sphère, chaque objet, en fait, enfin, c'est grâce au fractal, je crois, a une longueur infinie, enfin une surface infinie, non ? Alors, ça ressemble à une fractale, ça vous avez parfaitement raison, mais ça n'en est pas une, et justement pour ça, on ne va pas transformer quelque chose qui avait une longueur finie en quelque chose qui a une longueur infinie. En rajoutant des brisures. Non, on va rajouter des petites bosses, mais on va se débrouiller pour que la longueur ne passe pas à l'infini. Et en fait, imaginez que vous fassiez ça pour retourner la sphère. Alors, c'est beaucoup d'imagination. Mais si je veux retourner la sphère en respectant les 4 règles du jeu de Nash, je ne dois pas modifier les longueurs. Donc, à chaque étape, les longueurs doivent être préservées. Donc, elles ne doivent surtout pas aller à l'infini. Elles ne doivent pas bouger. Elles ne doivent pas bouger. Quand je mets ma sphère dans le dé à coudre, pareil, j'avais une sphère comme ceci, je l'écrabouille gentiment pour qu'elle reste bien lisse, enfin, avec ce genre de manipulation. Et chaque fois que j'avais, par exemple, l'équateur, disons qu'il avait une longueur de 1 km, ben, dans mon dé à coudre, l'équateur a toujours une longueur d'un kilomètre. Il fait beaucoup de contournements, mais il a toujours une longueur d'un kilomètre. À quel endroit on va pouvoir s'arrêter pour justement... Oui, la machine dit quand on doit s'arrêter, mais ici, ça va à l'infini. Exactement. Donc c'est complètement théorique. D'accord, non mais je veux bien, non mais juste pour me rassurer. Si ça vous rassure, je vous le dis tout de suite. Si ça doit vous rassurer, oui, c'est complètement théorique. Oui, juste une question. Est-ce que les travaux que vous avez mentionnés de Gromov, est-ce qu'ils ont une relation avec la conjecture de Poincaré et les travaux de Perelman ? Ou pas du tout ? Non, rien ? Non, il n'y a pas. Alors, dire que les choses n'ont aucune relation entre elles, c'est toujours extrêmement délicat. Bon, il y a toujours des relations, en particulier avec la machinerie qu'il y a dans cet ouvrage. On peut travailler les questions de courbure énormément. On peut faire de la géométrie dite riemannienne, etc.
Donc, je ne dirais pas qu'il y a zéro lien, mais c'est quand même très loin. C'est quand même assez loin. Mais si je peux revenir au problème de Nash pour la sphère, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une symétrie sphérique, donc par définition au départ, on veut conserver les dimensions, quelles que soient les directions des courbes qu'on trace sur la sphère. Est-ce que ça veut dire que les solutions vont avoir une symétrie sphérique, quelles que soient leurs étapes? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez symétrie sphérique, parce que peut-être une invariance par rotation, parce que si j'ai vraiment la symétrie de la sphère, je suis obligé de rester la sphère, quoi. Mais, alors, est-ce que c'est invariant par rotation à chaque étape? Je n'ose pas m'engager dans cette question-là, mais en revanche, je préfère me poser la question de la symétrie infinitésimale de mon objet. Oui, je vois froncer les sourcils, vous avez raison, il faut que je sois un peu plus précis. Quand je regarde une surface, que je la regarde avec la loupe, je la regarde de plus en plus près avec la loupe, ce que je vais voir, c'est essentiellement, donc vous prenez une surface quelconque, vous pointez un endroit de la surface, vous allez voir soit une colline, soit quelque chose qui ressemble à une selle de cheval, un col de montagne. En gros, vous allez voir ça. Et quand vous regardez ces deux situations, donc on les a regardées à la loupe, c'est en ceci que je dis que c'est infinitésimal, c'est vraiment dans le tout petit. Quand vous regardez une colline, en général, vous allez avoir deux symétries, deux axes. Il faut imaginer la colline comme le sommet d'un ballon de rugby, par exemple. Et je vais avoir deux symétries qui vont être la petite courbure du ballon de rugby, la grande courbure du ballon de rugby, sauf que j'ai fait les mauvais gestes. Mais passons. Et puis, pareil, dans ma selle de cheval, je vais avoir deux symétries un peu évidentes qui sont, je suis sur ma selle de cheval, donc j'ai une symétrie comme ça, une symétrie comme ça. Donc, quand je regarde une surface avec la loupe comme ça, en général, je vois une symétrie d'ordre 2. Et ce qui se passe avec ces objets, c'est que vous brisez cette symétrie infinitésimale. Ces objets pour lesquels vous rajoutez systématiquement des petites oscillations font qu'à l'infini, quand je regarde à l'infini, je vois toujours des oscillations d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, etc. Et en particulier, je ne vois plus du tout de symétrie, ma symétrie infinitésimale que j'avais auparavant. C'est en cela que ces surfaces sortent du cadre des surfaces très régulières. Ce que je disais tout à l'heure, quand une surface est très lisse, on va y arriver. Enfin, quand une surface est très lisse, on ne va pas arriver à déformer une sphère. Eh bien, c'est ça que ça veut dire, surface très lisse. Ça veut dire, si je la regarde à la loupe, eh bien, je vais m'apercevoir que sous l'œil de ma loupe, enfin, sous la lentille de ma loupe, je vois des symétries comme ceci, hein, d'ordre, j'ai envie de dire d'ordre 2 pour aller vite, que je ne verrai pas si je regarde ces surfaces qui sont toujours lisses. Si je passe ma main dessus, je ne me découpe pas la pomme. Mais par contre, quand je regarde à la loupe, ma symétrie a été brisée, ma symétrie comme ceci est brisée, j'ai autre chose. Puisqu'on est presque à la fin, je vais t'obliger à être un peu moins modeste. Est-ce que tu pourrais dire deux mots sur le projet EVA? Le projet EVA. De l'exploit de géométrie algorithmique que vous avez réalisé en faisant ces trucs-là. Alors, le projet EVA, c'est un projet qui réunit un certain nombre de chercheurs de Grenoble et de Lyon, de plusieurs disciplines, informatique, mathématiques appliquées, synthèse d'images, mathématiques. Et c'est donc des chercheurs qui se sont mis ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que ces surfaces de Nash. Comment est-ce qu'on pouvait effectivement écrabouiller une sphère dans un dé à coudre? À quoi ça pouvait ressembler? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'image. Ces images-là que vous voyez, elles ne datent pas de plus de quelques années. Okay. C'est des images qui... Donc avant 2012, on ne savait absolument pas,
On n'avait pas de visualisation, disons, de ces surfaces totalement étranges qu'avait imaginé Nash et qu'on retrouvait dans la construction de Gromov avec sa machinerie. Et donc, on s'est lancé dans ce projet pour comprendre quelle était la structure de ces surfaces. On l'a fait non pas sur la sphère qu'on écrabouille dans un dé à coudre, on l'a fait pour un autre problème de Nash qui est la réalisation d'une bouée très particulière qu'on appelle le tor plat. Et quand on a réalisé cette bouée très particulière, qu'on l'a visualisée, on a compris la structure, donc la structure en accumulation de corrugation, et on a compris qu'on avait des objets qui étaient intermédiaires entre ce qu'on a dit tout à l'heure, des fractales et des surfaces. Ce ne sont pas des fractales parce que les longueurs ne deviennent pas infinies, et ce ne sont pas des surfaces au sens habituel parce que quand on les regarde à la loupe, elles ne sont pas, elles n'ont pas cette symétrie, hein, cette symétrie entre deux axes. Et donc, ben, on avait quelque chose d'intermédiaire entre ces deux structures. Et le fait de mettre ceci en évidence, ben, ça donne à l'esprit une base pour comprendre ces objets étranges qui apparaissent dans les théorèmes de Nash ou dans les surfaces qui sont construites par la machinerie Gromov. Peut-être je peux vous montrer éventuellement une image si je... peut-être où est-ce que je peux trouver ça. Bon, j'ai un peu oublié où on a mis toutes ces images. Vu la légère, surtout pas de définition maximum. Ah voilà, par exemple celle-ci. Très bien. Allons-y. Donc vous voyez, c'est une sorte de bouée. Une bouée qui a cette structure à mi-chemin entre les fractales et les surfaces. Vous avez des corrugations qui se sont empilées à l'infini, et ça vous donne cette structure. Alors cet objet répond à une question mathématique que je n'ai pas exposée, que je n'ai pas vraiment le temps d'exposer, ça prendrait, je pense, 10 bonnes minutes, donc on va zapper tout ça. Peut-être juste vous montrer une vue de l'intérieur. Donc si vous imaginez, vous vous baladez sur ce tor, et puis vous prend l'envie de creuser un trou, et d'aller à l'intérieur. Et si vous allez à l'intérieur, vous allez découvrir... espérons que ça ne fasse pas... Voilà. Vous allez découvrir ceci. Voilà ce genre de vue. Donc voilà le type d'objet qu'on peut enfin visualiser grâce donc, un, au génie de Nash, et puis à celui de Gromov qui fournit une machinerie qu'on peut transformer en algorithme, qu'on peut mettre sur ordinateur. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, ça défile tout seul. Voilà, bon. Merci à vous tous. Et puis, je vous rappelle que dans environ un mois, eh bien, il y a la deuxième conférence du cycle de cette année où Marie-Claude Arnaud nous parlera de Jürgen Moser.